Bonjour à tous, on se retrouve ce matin pour continuer nos petites aventures sur Kepler. On va retenter le boss Meko. Quelques petits changements. Donc, nouveau compagnon pour tanker. On va parler coup papa. Il a l'air effectivement assez intéressant, donc je l'ai amélioré au niveau 4. Hein. Donc, on va se retrouver une vitesse de déplacement de 53%, défense de 161. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ses skills en fait. Hein. 10 000 8% d'ailleurs reçus par la famille et son propriétaire. Donc ça, ouais, voyons, on voit là. Et bon, il éclaire un peu en même temps. Donc ouais, ça c'est plutôt pas mal. Il avait de bonnes stats. Hein. Quand vous les tamez en fait, vous avez plus ou moins de bonnes stats. Alors comment on récupère le coup papa? C'est pas via des capsules, tout ça, parce que je dis j'ai fait d'autres capsules, une nouvelle bestiole un peu, mais c'est un peu comme le roi sanglier. Il faut avoir un item pour l'appeler. On n'est plus, hein, j'en avais qu'un, j'ai utilisé, mais c'est le même principe que la glande de sanglier. Et une fois utilisé, ça va attirer donc le coup papa. C'est une sorte de glande qu'on doit récupérer. Gelée qu'on doit récupérer en tuant un coup papa, j'imagine. Je sais plus trop où je l'avais eu. Et après, avec les colliers de gobelins, c'est comme vous le tamez. Alors, c'est pas le pourcentage de chance, c'est pas forcément énorme. Hein. C'est 15%, je crois. Donc, vous avez intérêt à avoir pas mal de colliers. D'avoir un peu de soin aussi. Hein. C'est le même principe que le roi sanglier. Hein. Vous tapez dessus jusqu'à ce que vous arriviez à le choper. Les colliers gobelins, c'est, on les récupère. En tapant des mobs gobelins dans la zone gobelin, soit après on peut les crafter via l'atelier de gobelins tout simplement. Un collier pour familier, cuir, laine et os. Vous les mettez dans votre barre et puis bah, vous cliquez dessus, puis vous espérez que ça marche. Il y a juste une petite particularité, c'est qu'effectivement vous allez avoir un coup papa, il va ça faire pop un coup papa. Et il va faire apparaître des trucs qui vont vous tirer dessus. Donc ça va être un peu chiant, ça va vous empêcher de caster votre sort pour le tamer. Mais si vous avez vous pouvez pousser les trucs qui fait pop vers lui, et ça va le stun, et ça va vous laisser le temps d'utiliser votre collier. Donc voilà ce qu'il en est. On a donc le nouveau coup papa. On va avoir Buddy comme monture, et aussi parce que Buddy... Il rajoute une aura de défense. Vous voyez, Buddy. Après, j'ai revu aussi toutes mes compétences. Donc là, on s'est plutôt axé sur une partie un peu dégâts à distance. Sur les critiques aussi. Augmentation des dégâts critiques. Beaucoup même plutôt sur les dégâts critiques. Bon, toujours le pet pour améliorer la défense et l'attaque du pet. De la peau de lion, hein. Petit bouclier personnel, bien sûr. De la défense classique. Vous voyez, ça c'est pas mal. La barre cinétique peut vous protéger d'une attaque fatale et recevez 50% de points de vie. Ensuite, vous recevez 20 points de vie par seconde pendant 10 secondes. C'est une fois toutes les 2 minutes, hein. Donc, augmentation de la défense, l'attaque réduira les dégâts d'attaque de la cible de 15% pendant 15 secondes, dégâts à distance augmentés de 5%, les chances d'attaque critique de 3%. Après, ça, c'est des améliorations classiques, mais c'est pas pour les combats, ces améliorations. Donc, voilà un peu les différentes, le nouveau build qu'on va tester. J'ai farmé un petit peu la nourriture aussi pour les bestiaux. Peut-être qu'on peut encore en faire un peu. Si, je sais plus s'il me reste la viande de monstre. Ok. Je pense que 92, ça devrait suffire. Donc on va avoir le coup papa qui va être en mode défense. Il a un bonus comme ça de défense de 25%. Plus le grognement pour qu'il attire. L'adepte, lui, en mode agressif pour 25% d'attaque en plus. La petite monture avec une monture. Donc, on est pas mal. On avait réussi à choper les balles biotech Miko.
Et j'ai aussi à côté recrafté tout un stock de balles d'or. Donc en munitions, on n'aura pas de soucis. Là, ça va plus être la survie. On va utiliser la petite mitrailleuse Gatling qu'on avait lootée hein, chez les Grunder. On a le fusil d'assaut. Bon. Techniquement, on est plutôt bien préparé, je dirais. Alors, un Caleb, je sais pas si on l'avait la dernière fois. J'ai farmé un peu les œufs de bestiales pour avoir différents trucs. On est tombé sur une nouvelle licorne. Nouveau clébard aussi. Voilà, donc là, j'ai rien modifié là-dedans. Bon, après, on m'a parlé de faire modifier, agrandir, etc. C'est une possibilité. On verra peut-être à l'occasion rajouter plus de lits, rajouter une salle, un sauna ou pas. Jacuzzi en plus. Bon, ils nous retirent, on retire quand même pas mal d'argent avec eux. C'est ça, juste principalement l'idée. Hein, donc, pouvoir rajouter plus de machines aussi, ce qu'ils aiment bien ça. Bon, on pourra rajouter plein de trucs. Je crois que je les ai déjà tous. On ira voir à les récupérer. Donc voilà où l'on est. Au niveau matos, rien n'a changé. On peut regarder justement si tout est en à peu près bon état. On peut réparer peut-être le matos du compagnon, le cas. Et où le. Ouais, ça va encore, mais ça va rajouter un bonus. Bon, bah on va y aller, hein. C'est tout, hein. Faut tenter. Alors, donc, je vais me remettre un peu de boucle à moi perso. On va déjà se mettre en satiété, ça sera pas mal. Hop, boum. Ça, on a un petit bonus de points de vie. De régénération. Et augmenter la santé max, c'était ça qui était pas mal, de 60. Voilà. Et on se buffera juste avant de rentrer. Donc. Allez, on est parti. Donc c'était à l'étage 13, il me semble qu'il fallait aller. Salut Speaky, bienvenue à toi. Ouais, c'est ça, c'était cet étage-là. On a notre escalier là-haut pour y aller. Allez, on est parti. On va s'approcher de la zone. J'espère que le coup papa va faire un peu le taf, qu'il va tenir le temps que moi et l'adepte on démonte le boss. Ah, vous voulez pas le taper? Le chien, bien sûr. Là, ça retape. Bon bah ça va être chaud hein, parce que il est pas facile le boss hein. Voilà, on a l'entrée du labo qui est ici. On va essayer de pas faire trop de merde comme d'habitude. Alors les pics à la limite c'est pas trop grave, ça c'est pas trop grave non plus. Et maintenant, non effectivement il y a les trucs, parce que ça fait trop mal. On descend, on fonce, on fonce, on fonce. Spécialiste pour éviter les pièges. Hein. Ok, bon, tout le monde va se remettre bien. Ça sera le boss ici. On va laisser tout le monde remettre les boucliers. La peau de l'adepte. Tout le monde se remet bien. Et on est parti. Je vais me buffer. Alors, hop. Prends toutes les drogues qu'on peut. Voilà. Voilà, donc attaque 15 points, défense 22,
Déplacement 17, vitesse d'attaque de 25. Les bonus, ça critique grâce à ce que j'ai mis en compétences. La santé max de 60. Restauration de points de vie. Et les bonus que nous apporte notre petit copain. Bon, tout le monde a l'air bien. Je passe sur la Gatling. Et puis bah, c'est parti, hein, en avant. Hein. Donc on avait réussi à gratter l'autre jour, ici, hein, directement, tu peux ouvrir le coffre. Donc c'est comme ça que j'ai récupéré les belles micos. Hein. Allez, hop. C'est parti. Ah, le coup papa a l'air de pas trop mal tenir. Hein. T'as pas tenu par contre. Une force. Ah, il faut pas lâcher. Pas lâcher. Je vais lâcher, l'adepte a lâché. Je suis dans la merde, ça y est. Là, on est dans la merde. Et que ça tombe plus, c'est la merde. Est-ce qu'il y en a qui va se remettre d'ici là? C'est pas sûr. Du cul, hein, sur du cul. Allez les gars, faut se soigner, on se dépêche. Allez, c'est là où ça commence à puer du cul. Ça y est. Il y en a qui est revenu. Ça va pas rester longtemps. Il est chaud. Papa est revenu pour tanker. Ouais, dès qu'ils sont tombés, les mecs, c'est la merde. Hein. Allez, y'a moyen, y'a moyen. Je suis un peu tout seul quand même. Allez, crève. Crève. Putain, j'ai plus de munitions vraiment. Oh, chaud du cul, hein. Yes, 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 yes. On a enfin réussi à le tomber. Mais chaud du cul, on ne tienne pas, les autres, hein, putain. Comme ils prennent trop cher. Faire du combat tout seul, quoi. Bon, c'est tendu, j'ai fait crever, j'ai quand même eu le temps pour une fois de me prendre une petite seringue avant de canner. Bon, il y a... je peux pas rentrer ici. Ah d'accord, donc tu viens ici pour crafter à chaque fois les Energy Core. Oh. Oh. Je savais pas, moi, les gars. Moi, j'aurais pris ce qu'il fallait, hein, c'est vrai. Tu viens au labo à chaque fois pour crafter ou on va pouvoir le faire à la base aussi? Restore 2 points de vie toutes les 2 secondes, la défense augmente de 12 points. De 12 points et 20 secondes, c'est pas mal ça. Ça, c'est le truc pour débloquer le nouvel atelier. On va quand même récupérer 8 alliages directement. Autrement, il va falloir revenir à chaque fois pour ici. Alors maintenant qu'on a fait le boss, on pourra revenir assez facilement. D'accord. C'est intéressant. Tu peux faire des puces de circuits imprimés. Ça, on pourra crafter maintenant des circuits imprimés. Bon, j'en ai tout un stock à la base. J'en ai pas. Matériaux d'artisanat. Miku, un parasec pass. Okay. Ok, bon, bah c'est bonne chose de fait. C'est l'avant-dernier stade. Mais ça, je sais pas. Diminue la vitesse de la fin de ton bonheur, 3 points de vie par seconde, c'est pas mal 3 points de vie par seconde. Par contre ça rajoute
La défense, c'est pas mal. Hein. Limite, ça peut-être à la place. Ok, allez, on rentre à la maison, on utilise notre petite pierre, et on va aller au labo donner notre truc. Il est toujours sur... C'est pas grave, c'est là qu'il faut le... Voilà, comme ça, on va débloquer la fonderie biotech méco. Technologie méco biotech, armes biologiques et technologies de contrôle des blindages développées pour améliorer la technologie de fusion des insectes. L'exosquelette bionique peut fixer des cellules souches artificiellement améliorées sous diverses formes, tandis que l'assembleur interne de nanocellules peut faire en sorte que les cellules se reproduisent et se renouvellent de manière absolument stable et autonome. Avec des exosquelettes et un assembleur de cellules, nous serions en mesure de garantir que les cellules parasites n'agiront pas à notre encontre, n'est-ce pas? Pour être sûr, nous devons effectuer de nombreux tests. Parce que ces cellules sont si actives, le fluide artificiel insectaire ne va pas tout à fait les garder stables, c'est le plus gros problème actuellement. Ok, alors il va nous falloir 4 mycoparasacmas. J'en ai un peu à la base. Et j'en ai assez, mais pas sûr. Hein. On va voir. Retrouve. Non, ça y est, ça va, c'est bon. Nickel, on va pouvoir avoir notre atelier comme ça. Va voir un peu les surprises qu'il y a. Ça va nous coûter plein, j'imagine, encore en craft. Question d'habitude. Ah ouais, c'est gros le truc, hein. Gros que tous les autres trucs. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Le fourneau Meko. Peut-être... Ah bah du coup, c'est avec ça, j'imagine, qu'on peut le faire. On va crafter ça, peut-être, du tout. Priorité. C'est peut-être le truc qui évite de devoir aller dans le labo à chaque fois. Imagine. On peut le mettre là. Ouais, c'est ça, nickel. Nickel, comme ça, pas besoin d'aller au labo. Alors, donc, entrée d'abri méco. Ameublement. Et ça devient une particulier. Donc, ça, c'est pour améliorer nos petits copains. Ouais, donc ça faudra le faire, il faudra de la viande de monstre, le baril biotech méco, okay. Le pistolet méco, fusil méco, non, c'est un... Oh, ça met fusil, mais non, ça ressemble plutôt à un pistolet. Donc du dégât, taux de critique, là on a plutôt un autre fusil. Le pistolet apparemment, pistolet arc électrique, il est lourd mais puissant. Donc ça utilise des munitions, ça je sais pas, c'est un truc électrique, il n'y a peut-être pas besoin. Un autre pistolet. Une arme de poing parasite du soldat Miko, 76 de dégâts, 2 de vitesse de... Là c'est plus un fusil, 45 de dégâts, le fusil laser du soldat Miko, la foreuse Miko, donc ça évidemment il va nous falloir ça. Priorité serait peut-être même ça. Je sais pas jusqu'à quel matériau ça peut casser. Si ça cache justement les murs méco, ça permet de rentrer facilement dans des zones sans se taper toutes les défenses. Les constructions. On va crafter ça. Il va nous falloir des alliages et des ténèbres. Le désherbeur laser méco. Utilisé pour récolter les petites plantes comme l'herbe et les champignons sans détruire le rhizome. Ouais, c'est une sorte de faucille, tu vois. Ensemble de combat, alors on arrive sur...
De dégâts critiques, putain, c'est 15%, bonus de dégâts critiques 30%. Et pour moi, ça peut être pas. Bon, 71 de défense, c'est moins. Réduit dégâts de 12%, 16 de défense, tenue 18, dégâts d'attaque à distance, ouais, ou ça. Ouais, ça, je pense plutôt ça, dégâts d'attaque à distance. Ouais, ton pistolet, non. Toujours. Bon, moins de défense, mais bon. Ouais, plus le look est sympa. Gants, bon, ça voilà. Téléporteur Meko, piège à laser croisé Meko, piège à pi, piège avant Meko, mini tourelle laser Meko. Bon, ça c'est tout défensif si on veut améliorer la défense de la base. Donc, globalement, il n'y a pas vraiment besoin la plupart du temps. Piège à lame, capsule d'attaque extra plus, la défense. Potion d'agilité, pas plus. Ça c'est juste une extra, mais deux extra plus. Hein. Joyeux Meko. Augmente la vitesse, donc ça, la voilà, version améliorée. Nanocapsule, ça c'est la santé. Ah, voyons, faire des beaux trucs de santé. 200 points de santé, c'est mieux que le seringue de régénération, quoi. Le stimulant, 3. Jamais, j'utilise pas le stimulant, moi j'ai. Oui, parce que apparemment ça en retire les autres trucs. Tiens, on va utiliser pour voir si ça me vire mes autres buffs. Et quand tu vis. Ah bah non. Pourtant, voilà, quand tu vis le truc. J'avais vu que ça supprimait les autres trucs. Ouais, mais on pourra les utiliser, ce sera un buff de plus. Bon, la vitesse de fin, c'est pas très grave. Dans le combat, c'est pas un souci. Alors, le reste. Blanchet bois Meko, mieux bien. Ok, donc là on va déjà faire Chorus. Donc Ténergie Corps, alliage Meko. Je vais voir ce que j'ai en stock. Et ici, on est là des tiers de. Énergie. Alors je vais prendre du minerai, ce que je pense qu'on va avoir besoin de toute façon. Avant de besoin, ça aussi. Et là. On a eu deux là qui traînent. Non, là, il n'y a rien. Apparemment, j'avais déjà récupéré tous les trucs. Toute énergie. Les parasites masse. Non, c'est pas ça. Non, ça. Donc il nous faut de l'alliage. Pour l'alliage, il faut l'éternel corps. Donc tu peux le faire. On a pas mal d'argent, on peut se faire. On va faire avec de l'argent. Ouais, ça coûte cher quand même. Voilà. Alliage Meko. Hop, hop, hop. Là, il faut de l'or et de l'argent, c'est pas donné quand même. Hein. Ok. Donc là, on a assez pour faire tous un check. Non, pas un check. Mais on va faire la foreuse. Je vais voir un peu ce qu'a fait, si c'est vraiment une scène. À la place de la foreuse Insector. On teste ça. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être les armures d'abord, mais les armures ça va coûter. Ah, non, alors les gants, il faut des débris Meko, il faut
Je vais faire plein d'alliages Miku. Débris Miku. Est-ce que j'en ai là? Je dois en avoir quelque part. Et le Grounder, on s'en fout. Voilà, débris Miku. Ça, je rejette un œil, voir si je vois pas d'autres trucs que j'aurais oublié. Oui, les colliers gobelins, colliers port familier. Non, bah c'est bon. Bon, tout ça va nous coûter très cher en ressources. On va claquer tout le cuivre. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut faire les gants. C'est quoi? C'est combien à chaque fois? On pourrait faire gants et bottes. Où est-ce qu'on se fait une arme? Ah, c'est cher, ça va être très très cher, il faut refermer encore comme un cochon. Oh! Peut-être qu'il serait plus intéressant de faire, vu qu'il va falloir fermer comme un cochon, le détecteur universel là. Est-ce qu'il fallait des trucs, des alliages Miku? Alors. Voilà. On va aller au village. Enfin, l'une des villes. J'ai découvert d'autres villes aussi. Hein. J'ai fait un peu. J'ai découvert une autre ville en plus. Pas si on l'avait vu la dernière fois, ça c'est un hors stream. Il est où le leader là? L'autre map, il était en bas. Pas sur celle-ci du coup. Et le problème, c'est pas forcément le soin, c'est le temps de réutilisation du soin, parce que là, on était très large en soin, mais le problème, c'est qu'il a pas tenu. Le temps de recharge, de réutilisation, trop lent. Ça qui fait que bah, ils sont tombés, les mecs, ils n'ont pas réussi à soigner à correct suffisamment. Ah, il n'y a peut-être pas de mineur ici. Ah, hop. Une attaque micro. Ah non, il n'y a peut-être pas le mien. Et n'empêche, j'ai claqué une. Ça te on se bouffe une quantité de munitions, c'est ce truc-là. C'est pas mal, hein, mais ça bouffe. Ah bah ben non, il n'y a pas le. Il n'y en a pas ici. Ben, je vais aller à l'autre ville. Je l'ai raté, mais. Il n'y a pas de mineur ici. Ben, attends, après, c'est facile, hein, un truc qui va nous dire. Non, il n'y a pas de mineur. Bah, du coup, l'autre vie est mieux. Bah, coup, papa a tenu un peu quand même, mais voilà. Donc, ouais, ça va. Ça ne suffit pas. Ah non, mais c'était tout simplement celui-là, non? Bah, il n'y a plus. Attends, il n'y a plus de forgeron? Encore sur une autre ville, parce que je crois que j'en ai découvert plusieurs. T'es en bas. Peut-être sur une autre ville encore. Ah bah oui. Il n'y a pas partout. Voilà, ouais, le mineur. Non, je vais causer au monsieur.
Ah, il en faut encore deux. Il en manque deux. On va voir si j'ai assez pour en faire deux. De l'or là qui traîne, j'ai pas du minerai de cuivre à raffiner quelque part. Ressources. Non, jeu de survie, hein, c'est toujours la même. Quantité de ressources monstrueuses pour tout. Et surtout le minerai, surtout. On va récupérer les champignons tout de suite. Les champignons, on s'en sert pour faire de la bouffe, hein, pour les animaux, enfin, pour en soigner. Je suis quand même content d'avoir réussi à faire le boss. Il en restera un après, le final. Bon, ça va être une grosse session de farm. Donc le ça c'est bon, on a ce qu'il faut dans ça. Alors j'ai pris plein de trucs sur moi, mais du coup ça sert un peu à rien là. Il faut qu'on farm d'abord d'autres sources. On va faire le cuir. S'occuper d'eux. Alors ils sont où? Ils sont en bas. Allez, on est parti. On va utiliser. Heureusement que j'ai encore le pistolet insecteur, le fusil plasma, c'est un parasite qui est bien. T'as pas besoin de munitions au moins, donc. Peut-être nous ramener des corps, on va les farmer un peu. À la limite, laisse-les construire un peu. Non, non, mais laisse-les construire. Les construire. Il y aura des coffres, il y aura peut-être des trucs intéressants dedans. On va aller voir les farmer un peu dans la zone le long des mycos là. On va voir si on peut trouver des coffres et trucs, machin, avec des ressources dedans. Intéressant quand même. Comme ça on n'aurait pas besoin de les farmer. Ouais, j'en ai quand même 8 de ces trucs-là. Construit là ou pas? Non, reviens, 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 reviens. Laisse-les. Le problème c'est que tu sois juste à côté pour qu'ils décident à construire. Bizarre ça quand même. Son bouclier prend cher. On va pas laisser trop construire quand même parce que il va falloir refaire des balles quoi. Bien. Au moins les gardes. Les gardes. Ça s'accumule pas trop. Ouais, construisent pas grand chose, hein. C'est pas très rapide la construction. Hein. Venez là les copains. Ouais, c'est un truc de clown gambler. Ah, ça c'est l'un de mes compétences. Donc ouais, donc normalement si je peux casser ces murs-là avec ça. Ah la petite tourelle là déjà. Hein. On va pas trop laisser s'installer parce que ça va être chiant. Ouais, donc du coup, il va pouvoir tout péter avec le nouvel outil. Ouais, ok.
On va pouvoir rentrer dans les bases méco, looter aux endroits où on veut sans se faire chier. Ça va être très bien ça. Exactement ce qu'il me faut. On va laisser finir la base. Si jamais il apparaissait un mini-boss. Ouais, ça fait des dégâts. Il est immense. Allez, on casse. Ah, t'as un jet d'énergie corps et tout. Pas mal. Les murs d'énergie, du d'énergie corps, j'ai pu imprimer. Beaucoup plus simple quand ils sont à un autre niveau que quand ils sont dans les souterrains. Pas du tout la même difficulté à chaque fois. Allez, 50 secondes. C'est quoi l'histoire? C'est qu'ils sont trop abîmés, c'est ça? Apparemment. Ouais, donc on va aller abri une entrée d'abri méco via la fondouille. Moi, je suis obligé de faire ça. Une partie des quêtes, apparemment. D'accord. Ah. Ça sert, mais... On fabriquera ça. Ah, c'est peut-être pour le prochain boss. Ouais, du monde là. Ok, c'est fini. On rentre à la maison. Ça non, on va mettre ça là. Oui. Le truc hein, sur moi. On va laisser ici ça, ça, ça. On va prendre ouais, ça rend le détecteur comme ça. Ouki. Numéro méco. Ben on va les fermer là. Voilà. Alors est-ce que ça mine aussi ça? Comme ça ou pas du tout? C'est ça la question aussi un peu. Il n'y a pas de bonus dessus? Ah, c'est peut-être pas comme tout à fait. On va voir si on peut l'améliorer. Alors. Hop. De raison. Hein. Et hey, taux de drop de minerai 25%. Est-ce qu'on peut avoir mis encore?
Tac, attaque, top d'or de Minoé. Oh, c'est pas mal comme ça. C'est comme ça. On va tester comme ça. Hop, hop. On repose ça. Il faut là qu'on se fasse un peu de cuivre. Pour crafter notre truc. Limite, l'équipe. Place, je sais pas. Voilà. Bon, alimenter Exosolec Mécobiotech. Donc c'est à partir du niveau 15 qui sont. Quoi, on doit avoir d'autres trucs à farmer au niveau 15. Ah, déjà un peu de ressources. On va faire encore tout, ça ferme vite. Ah, ça ferme beaucoup plus vite que tout un secteur. Pas photo. Yes. Une scène. Une scène. On va se faire du minerai avec tout ça, une vitesse. On va commencer à découper les trucs. Ouais. Oh, comme tu rentres même dans les tombées. Ouais, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. On va pouvoir aller mettre tout ça à fond. Ah ouais. Ça va être très très bien tout ça. Bon, tout cela, on les a déjà visités. Hein. Est-ce qu'elle va faire plusieurs forges? Niveau souterrain 15, ben on peut peut-être aller le voir. On prend du soufre hein, de toute façon, ils vont en falloir, je crois, pour les munitions. C'est pas un petit coffre là? Coucou, c'est nous. Des petites balles, mes coups. Ce truc-là, hein. Porte éprouvette. Il n'y a pas de coffre. Remboursé là-haut.
Bon, un nom comme d'un hiver. Ouais, moi j'aimerais bien avoir des coffres aussi quand même. Fossiles en passant pour débloquer les nouveaux plans. La suite d'une rotation d'équipement, la durée de vie supplémentaire est augmentée de 20%. Ça peut être cool. Couverture totale, votre pognon régénère, récupère 5 points supplémentaires par seconde et sa récupération ne sera pas interrompue même si vous, machin, vous êtes attaqué. C'est bon ça aussi. Ambre mutant, machin. Bon, il reste un. Huile. Là, il faut vraiment avoir un full Minecraft. Mais bon, avec le détecteur max et puis c'est pour le moment. Plus long, ça va être de tout fondre. Des trucs là-dedans. Des poux. Ça ira. Deux pierres. Ok. Un cochon. Bah, c'est bon ça. Coucou. Attendez pas qu'on n'arrive pas là. Et bonne Miko, bah c'est bien, ça va nous refaire un petit peu de balles gratos parce que bon, c'est un peu cher. Processeur Miko, on s'en fout. Mur biotech et mur d'énergie. T'as deux types de murs en fait. Porte Miko, regardez, ça me servira. Bah là, tu vois qu'il y a une. Ouais. Là, tu les vois bien, c'est comme des éclairages. Du vol nickel, t'as pas besoin du détecteur. Ouais, mais c'est l'éclairage en fait. Un bras alimenté exosquelette. Ah, il y a deux tripes d'amélioration en fait. Bah, deux types de bras. L'un pour l'attaque et l'autre pour la vitesse d'attaque. Ouki. Ce qui nous intéresse, c'est les coffres. De la place pour des œufs. Enfin, pour de l'or, pardon. Moi, je veux l'or quand même. Hein. Du coup, ça, boum, on s'en fout. On prend en compte, prendre le minerai là. Un petit peu d'argent en passant. Balle. Ah non! On s'est sur tout le truc, hein. Brut. Ah
Alors, je veux bien le lingot d'or aussi, à la place de ça. Hop! Voilà, bon, ça, c'est des sous qu'on pourrait prendre pour le vendre. T'as le truc insecteur. T'as un autre bras, pareil, c'est un truc qu'on pourrait le vendre. Ouais, toujours le même problème, hein. Je sais pas où mettre les trucs. Voilà, 256 000 mètres cuivre. On va aller voir à libérer le gars et puis ça sera bon. Je vais manger un peu longtemps. J'aimerais bien prendre. Ouais. Ah, ça se vend 190, c'est bon. Ah, voilà, c'est pas fou, mais quand même, je pense que le début de prix pourrait être vendu. Ouais, j'aurais dû. Pourquoi pas. Joue pas, toi, t'es bloqué, c'est ça? Bloqué, non. Ouais, donc on en revient toujours. Qu'est-ce qu'on me tient ça? Sinon. Les bruits d'un secteur, on s'en bat les couilles. Oh, il y a un gobelin. On va commencer, on va essayer de casser les murs autour de lui. Je pense qu'il va nous laisser comme cadeau. Une mire, apparemment. Ouais. Check. Ok. On rentre ici. Ça, faut qu'on prenne, bien sûr, parce qu'on a vu que ça coûtait un peu cher à crafter quand même. Je crois que j'en ai plein du soufre à la maison. Puis c'est pas sympa que le truc qui a farmé. Bon, on va voir le gars. On peut le libérer. Allez. Le cochon. Bien de ça. Ah, les peaux d'ion sont quand même bien déchargés. Les offres. Alors ici, on peut y accéder sans trop de difficultés. On peut être du coup, maintenant qu'on peut péter les murs. Eh, ici, il y a deux coffres. Ah, il est bon encore là-dedans. Ouais, bon, bah, c'est tout. De toute façon, avec rien qu'avec les petits gars, on se fait quasiment tant de pognon, hein, dès qu'ils nous payent notre loyer. Hein, donc, tout. Elle nous fera un copain de plus. Hein. Comme ça, elle pourra un qui lui filera de plus. Donc là, t'as l'entrée du donjon. Là, t'as tous les coffres, à la limite. On a besoin de s'embêter. Entrée du donjon pour le moment. Ah, les upgrades, parce qu'on a vu que c'était chaud quand même. Hein. On peut looter le maximum de coffres. Sans avoir besoin de faire des combats à la con.
coffre aussi. Non, bon, un petit peu de viande. La viande de bête, si nous filons plus gratos comme ça, moi, je dis pas non. Alors, est-ce qu'on peut voir des coffres par ici? Je crois qu'il y en a là. Donc ça, c'est l'entrée de la base, ok. Allez, ça, ils vont venir du coup. Ah, c'est vrai, les petits trucs qui tendent bien, c'est sûr. Bon, là, il n'y a pas de coffre, il n'y a rien de particulier. Ah, non, bah, celui-là, on l'a fait. On passe par ici, alors. Hop. Cherche des coffres. Hein. Pas de coffre ici, non. Bon, il n'y a rien d'intéressant. Il y a des gars à taper, c'est tout. Ah bon, si j'ai lâché quelque chose, je dis pas, mais... C'est jamais. Ah bah tiens. J'ai des petites balles. Ah si, il y a des coffres. Oh. Bon, ça, pareil, hein, c'est des sous. On est déjà bien chargé, je pense qu'on va rentrer. Hein. On est bien, on va mettre tout ça à fondre déjà. Dès qu'on aura notre cuivre, on va pouvoir aller... aller faire le truc universel, le détecteur universel. Vive les petites pierres des gobelins magiques derrière ça aussi. Allez, c'est parti. Ouais, du soufre, on a largement ce qu'il y a. Du coup, je vais voir si je peux vendre notre cochonnerie là. Alors le labo, c'est bien, mais le problème c'est que le mec, il est toujours bloqué sur le spot la plupart du temps, donc c'est un peu pénible. Il reste là quoi. Donc pour réussir le target, pas toujours des plus faciles. Alors, on vend ça, on vend ça. Les bras, je vais m'en garder quand même un de chaque. Du coup, on en a plusieurs à la base déjà. Donc, on a fait récupérer 570. C'est pas monstrueux, quoi. Mais bon, il y a de la place et on gratte quelques piécettes en plus. Justement, on va aller récupérer les loyers. Et puis, tiens, il y a le petit le nouveau là. Dire qu'il est la base. Voilà. Et c'est jour des loyers, les gars. Et une fille 315, donc 41, 436, 459. Rien que les loyers, ça va quasiment la plupart du temps beaucoup plus que les objets 339. 438. Et une bonne source de revenus. Après, je peux pas dire qu'on dépense énormément l'argent finalement. Ça va nous coûter, quand on va faire les améliorations, il faut du. Hop. Et là, voilà. Donc un copain de plus. Il me restera deux à les récupérer. Il y en a un là-haut. Étage 16. Ouais, de toute façon, il faudra qu'on aille à étage 16.
L'autre, il est étage 16 aussi. Donc c'est l'emplacement de deux bases. Donc on pourra aller farmer ces bases-là. Ou l'étage 7. Alors déjà, donne-moi mon cuivre. Maintenant, on peut retourner. On n'a peut-être pas. Enfin, Hop. Et donc, il nous faut du lingot de fer. Ah, c'est pas un souci. L'énergie, l'énergie, ça le fait moins bien. Boum. Boum. Allez, fais-le moi en deux. Normalement, je dois voir ce qu'il faut. On va aller retourner en ville. Donc, on a vu que c'était la première ville où il y avait un mineur. Celle-ci. Je peux possiblement peut-être le déséquiper. Voilà, super détecteur de minerais, c'est ça qu'on veut. Et avec ça, on va se faire plaisir. On va miner comme des cochons. Bon, de toute façon, je vais laisser ça bosser. Hein. Tout ce qui est construction, je vais le laisser là. Minerai, je pense que je vais le garder avec nous, parce que de toute façon, ouais, quoi, peut-être pas. Ça, voilà. Viande de monstre. Peut-être nos améliorations tout de suite, là. Il faut 3 parasecs. Bon, on va voir ce qu'il faut. Un. Et deux. Donc, on va élever le niveau du coup papa. C'est à 99 d'attaque, un petit peu plus de points de vie, une défense. Voilà. Et on va améliorer aussi le clébard. Plus d'attaque, de défense et de la vitesse. Voilà. À ce niveau-là, on est déjà à jour. Déjà une bonne chose. Voilà, maintenant, après, il va falloir farmer pour faire tout le matos. Donc, il va nous falloir principalement ces deux trucs-là. Ça, c'est facile, mais ces deux trucs-là à crafter. Et on a vu que ça coûtait un petit peu cher. Laissez là. Charbon. Toutes les piles d'amélioration. Allez, laissez là. En dehors des boss. Virer, tiens, où l'on a au sens où hop, voilà, ça fait déjà de la place. Je pourrais laisser tout un tas de bouffe aussi ici. Allez, on est. Oh, tiens, on va regarder. On a eu un hectare de près. Hop.
On a vu qu'on allait en avoir besoin du nectar. Alors c'est pas grave, ça garde l'ordre où on avait mis les trucs. La viande de bête. J'ai tout claqué là? J'ai tout claqué. Non, j'ai pas tout claqué. Je veux. Non, j'ai dû poser ça quelque part. C'est possible, il m'en restait. Encore mis haut. Je la garde sur moi. Comme ça, il y a un slot attribué. On va looter ça. Donc, on a dit qu'il faudrait voir au niveau 16. Est-ce qu'on a. Ouais, c'est bon. Alors, tu vois un peu différemment les trucs. On voit là que c'est du soufre. D'accord. C'est pas la même brillance. Là, ça va être du charbon, j'imagine. Ouais. Ouais, tu peux être tout, tout, tout. Ouais, c'est pas mal. Ouais, quand même. On va farmer ce qu'on trouve prochainement, plus ou moins. En fait, on est pas mal. Ça, j'imagine que c'est de l'argent. Là-haut, c'est de l'or, possiblement. On peut marquer la direction du truc. Ah, il est loin l'autre. Hein. Il est loin. L'autre est là au cas. Ah, on était déjà passé apparemment. Ça, c'est un des trucs où on peut mettre du loot dedans et dès qu'on repasse à côté le même type, bah ça nous met la bouffe, ça nous met tout ce qu'on a mis dedans. Dès qu'on retombe sur un même comme ça, et qu'il soit où qu'il soit, on en est déjà venu aussi. Ça nous donne ce qu'il avait. Ce qu'on lui a mis. Ça va les copains là, vous n'êtes pas arrivé? Ah bah tiens, les gobelins là. Toujours important un gobelin sur le voilà, parce qu'il au moins il nous laisse pas forcément les trucs qui nous intéressent, il lâche au moins sa pierre de rappel. Et ça c'est tellement pratique. Bon, il nous a filé des matériaux. Oh, ça c'est bon! C'est bon, 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 là il nous a filé des matériaux d'amélioration pour toutes les classes, donc notamment les 20 mécos par ces classes. Ah, c'est très très bon. Ouais, ça c'est très très bon. Ça. Oh, je verrai. Je verrai quand j'aurai besoin. On va dire. Ah ouais. Bien là celui-là. Très très bien. Ça c'est de l'or. Voilà. Et
Alors on peut en faire parce qu'on a dit qu'il en fallait quand même pas mal. Mais tellement bien. Ouais, ça change tellement de vie, ça, les détecteurs, pour farmer. Je sais pas si on a fait celui-là. Pas fait celui-là. Oh si, il n'y a personne, enfin, c'est ce qu'on a dû faire. Là, il n'y a plus personne, donc ça on a fait aussi. Autrement, il y a des boss. Ah, des boss. Il y a des monstres. Protège. Ah, bon, quand c'est découvert, c'est qu'on avait déjà dû y aller. Ah non, celui-là non. Celui-là non. Oh, c'est tellement bon de pouvoir casser le mur. N'y a pas de coffre ici. Rembourser. Hein. Rembourser, rembourser. Alors, on se fait plaisir en fossile aussi. Hein. Répare l'ordinateur. Donc ça, c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure. On n'a pas pu prendre, parce qu'on avait pris autre chose. Donc on est là. Les trucs d'amélioration globale. Allez, dehors. Hop, hop. Mais lui non plus, alors, il y a un... Ah, si. Peu devant, ouais. Peu devant, ouais. L'argent du fer. Alors, donc, ouvrons un accès. Nous, on veut le coffre. Hein. Il est bien, le copain. C'est quoi ça? C'est un petit labo qui se sont faits là? Le truc, t'as les instructeurs, une petite ferme insector et tout. On fait une petite ferme insector. Gentiment. Ah, la munition là, j'ai pas pris. Ok, tourelle. Voilà, bienvenue, mon petit grand. On se retrouve à la base. Alors ici, non. Peut-être là-haut, il y a des trucs encore, des caves sûrement là-haut. Où est-ce qu'on peut passer en raccourci? Ici, pas très bien. Boum, boum, boum. Directement au coffre. Ouais, bah si, on le veut bien. Ordinateur Meko, on s'en fout. Ici, si c'est bon, il y avait deux entrées à la base.
côté la tourelle. Voilà. Ça nous embêtera plus. Alors, la viande de mouche, hein, c'est pas terrible là-dedans. Plus. Capsule de défense extra plus, on va la prendre. L'insecteur, j'en ai. Pour ça, j'en ai plein à la base. Alors là, un petit peu de balle. Là, c'était une autre entrée. Là, c'est le passage pour aller un peu plus bas où on était. Là, il y avait une... y a plein d'entrées différentes sur celui-là. Une salle là où il y a qu'un coffre. Non, c'est que du. Il y a plein d'entrées. Ouais, bah non, ouais, il y a plein d'entrées différentes. Pas tant doute que ça finalement. On va se diriger vers l'autre maintenant. Même bien loin lui. Ça va, t'en as pas marre toi? Il tente le bordel hein, quand même. Écoutez-moi avec les barres là. Là oui, il est bien là. Le bouclier est tombé. Mais le bouclier. Laissez les copains s'amuser. Ah, il y a un gobelin. Oh, ils l'ont vu, moi j'avais pas vu, non. Brave gars. Qu'est-ce qu'il va nous goûter? Il a des sous. La bouffe. Les sous de la bouffe. Bouffe gratos, c'est toujours intéressant. Les trucs insectaires, je m'en fous du coup. On a du plein de cousins. L'ambre, je crois que j'en ai, mais je suis pas sûr. Ouais, ça suffit. On va laisser faire l'autre là-haut. Bon, finissez-le là parce qu'il va nous saouler. Nettoyez-moi la zone, et après on ira faire notre truc. C'est du cuivre, ça. Allez. À l'attaque. Je le pense, là. Petite ferme insecteur, ça. Je vais toujours jouer. Hein. Alors, je fais pas les caches parce que c'est potentiellement trop costaud pour nous. À ce niveau-là, pour le moment, tant qu'on n'a pas le matos. Le bordel.
pense pas. On va le passer dans le zoom comme ça. Pas forcément facile de différencier l'argent du fer et l'or d'une petite nuance. Et voilà, c'est pas le même, hein. C'est quoi ça? C'est du fer. Ça, c'est l'argent, du coup. L'argent est un peu plus gris, donc c'est ça l'histoire. Aussi, c'est de l'argent. Bon, c'est du fer. Elle est un peu plus bleutée. Là, c'est de l'argent. Et là, de l'or, possiblement. Ouais, ok. Donc, du CD, on s'en fout. Ouais. Et ça, c'est donc c'est bien. Ouais, quand t'as les deux l'un de côté, t'as la différencier, mais autrement, c'est plus compliqué. Qui rentre là-dedans comme dans du beurre. Ça, c'est quoi, ça serait une... Ouais. Ah, on montre. Il faut de la viande, ça. Ça c'est de l'or, ça. Ça c'est de l'or. Ça c'est de l'argent. Bien ça. Et des lingots, hein, c'est toujours bon à prendre. Ça, ce serait l'argent. Ouais. Tu vois qu'il y en a un qui est un peu plus gris, l'autre un peu plus gris bleuté. Donc là, de l'argent. Et loin encore. Toute cette zone-là dépasse à passer. Et combien là de minerais? 123 d'argent, 192 de fer, 86 d'or. Et un peu de cul. Bien, il y a plein de trucs, il y a plein de constructions pour pouvoir se faire plaisir. Petit parasec.
C'est bien, ça forme. Ça forme ce verre. Vas-y, parce que moi j'ai un peu tendance à foncer sans trop regarder. Hein. Point de vie, etc. Oh, plein de trucs encore aussi. Ah, on pourra refaire de la bouffe, hein. Qu'est-ce que ça fait quand on les pète, ces trucs-là? Non, je pouvais pas, mais maintenant je vais pouvoir les péter. Des noces, ouais. On s'en fout des noces. Hein. Alors, le soin. Oh, le soin, on forme bien. On va se rendre bon endroit. Là, on peut ici. Il est où l'autre, hein, du coup? Ah, c'est fort descendre. On s'est un peu égaré en route. On est où là-bas? C'est là que ça va se passer. Il y a les petits copains, je vous laisse sur du tout. Il veut jouer avec moi. Alors. Petite pile de soin. On la prend. Allez, on continue en cassant les murs. C'est plus simple. Jusqu'ici directement. On va débarrasser de ça, ça va me casser les pieds.
Il ne voulait pas attaquer, les gars. Ah, quand même. On a 25, Mekko, ça c'est pas mal. On n'a pas vu les autres trucs, mais c'est toujours ça. Alors ici, c'est l'une des entrées. Ah, il y a un coffre là-haut, bah, on va traverser. J'ai le coffre. Je vais tout péter, c'est pas grave. Alors, ici. Descendre encore. Ah bah on arrive à l'endroit qui nous intéresse aussi. Il a perdu son bouclier. Moi aussi d'ailleurs, mais bon, j'aime bien, il est beaucoup plus petit quand même. Bah il y a des loots, hein. C'est pas monstrueux, mais des trucs intéressants qui vont nous aider quand même. J'aurais aimé trouver les trucs, les autres trucs craftés là qu'on a besoin, mais apparemment ça tu veux avoir que quand tu fais le boss. Ah ouais, quand vous avez les bons trucs, hein, tout de suite ça devient plus simple. Hein. Pour accéder au bordel. Voilà, voilà. Ouais, donc l'entrée d'Abrimiku, je pense que ça va être pour accéder au dernier boss. On a bien fermé avec le tube de soin. Les munitions, pas mal aussi. Bon, bah voilà. Je pense qu'on va rentrer. On a fermé pas mal les minerais aussi. Ça va être bien. Il restera plus qu'à fondre tout ça. Allez, on rentre. Faire attention. Donc ça nous en fait 30, ça c'est cool. Ça on aura besoin, ça aussi. Les différents lingots, je les prends tout de suite. Ça aussi, ça. Et est-ce qu'on tout ce qu'on va avoir besoin, je pense. Dans un premier temps. Alors. Arrêter, on va mettre du combustible. Ça met du temps quand même à fondre tout ça. Mais du charbon, charbon. Allez, on utilise du charbon. Si vraiment j'aurais besoin pour autre chose, on en refermera, c'est pas grave.
Allez, de nouveau copain. Jour de paye. Jour de paye. Demain 10 sous. Demain 10 sous. Les gueules des trucs. Y a du monde, oh, ils sont plutôt contents, nos petits aventuriers. On les a pas, on les maltraite pas. Hein. Bien. C'est ça surtout qui va nous coûter cher. Avec de l'or, les deux. Je vais aller vendre, je pense, les trucs en ont trop. Pas de la place. Donc le bras, le bouclier, la cuillère, le bras, ce bouclier là, à 950 balles, hop. Petite récolte peut-être avant. Ouais, je pense, je sais pas, on verra si on a vraiment beaucoup de ressources, si on craft des trucs là pour récolter les cultures. Bon, c'est pas comme si c'était monstrueux de le faire vite fait comme ça à la main. Voilà. Bien, là-dedans, qu'est-ce qu'on craft? On peut crafter déjà les gants, il n'y a pas de question à se poser. Putain, ça coûte tellement cher. Il y a un alliage méco. Ah, déjà plus de fer, putain. On l'a bien fermé. Ah, il part vite, un hein, charbon malgré tout. On avait dit que ça pour nous, ça serait pas mal. Dégâts à distance. En plus, il y avait le look. Et donc, on a déjà fait des bottes solides. Une amélioration sur la défense, c'est cool. Et pareil pour la tenue, une amélioration sur la défense en solide. Et donc il nous faut les gants. Ah, les gants, on n'a pas eu bonus par contre. Bon, on va améliorer tout ce nouveau stuff. Hop.
Défense, résistance au contre-coup, bon, le reste c'est une merde. Je peux pas avoir. Ouf. Allez, ah bah voilà, ça c'est bien. Ah bien ça. Plus l'armure était bientôt cassée. Je vais retirer ça, parce que je voudrais voir le look. Les bottes. Réduit les dégâts, réduit les dégâts par les pièges, de réduit cet objet, c'est pas mal ça, non? Max Poillon, ah ça il faudra les améliorer aussi. Vitesse d'entourement, vitesse de hache pioche, paire de. Ouais non. Vitesse de hache pioche, défense. Récolte, ingestion, réduit les dégâts 12%. Dommage pour ça, mais les autres bonus sont intéressants quand même. Améliorer les points d'équipement. Ah ouais. J'ai. Comment ça? Ah oui, c'est parce que j'ai pas pris mes corps. On me dit merde, c'est bizarre. J'ai tout quand même. J'ai pas pris les cristaux de fusion. Max. Hop. Il est déjà au max celui-là, formidable. Ça c'est grâce à nos compétences de craft. Hop, et les petites bottes. Alors donc, dégâts d'attaque à distance, plus 7% avec tout. Hein? Défense, plus 13%. Et Max Poyon plus 10. Ok. Bon, et on a un peu faim. Donc ça, c'est fait. Il va falloir faire le stuff pareil pour notre adepte. On regarde un peu les petites armes, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est intéressant? Bon, ils achètent pas de temps en temps, ils achètent des bricoles. Tiens, on peut leur mettre ce stuff-là, on verra s'ils veulent l'acheter. Non, il va nous falloir encore. Il va nous falloir un peu de tout. Au moins, c'est heureusement qu'on a déjà looté pas mal de ça. On va faire un truc de moins à crafter. Hein. Nous faut les deux là encore. On va faire déjà les alliages et je pense qu'on va utiliser plutôt l'or du coup pour les ténèbres. Oh, non, c'est pas grave. C'est un à chaque fois donc ça va. Par contre, par rapport à l'argent, oui, il en faut beaucoup plus. On a claqué tout notre cuivre. J'en ai plein à faire encore du cuivre. Tiens. D'ailleurs, Twitch. Hop. Alors, la foreuse c'est fait. Fusil laser du soldat, mais je pense que ça s'est pété, que ça ne demande pas de munitions non plus. 45 de dégâts, 1 d'attaque, 76 de dégâts, 2, 1 des 2, l'arme de poing. Ça va demander pas de munitions non plus, un pistolet arc. Je sais pas, hein, qu'est-ce qui est le mieux là-dedans. Il est lourd mais puissant.
135 de dégâts, 1-2 d'attaque. C'est pas dégueulasse, 1-2 d'attaque. Ouais. Oh, les prix sont pas les mêmes, les prix de vente quand même. Mais je pense qu'il doit faire. 135 d'attaque, c'est lourd. Il y a quand même une bonne vitesse. Bon, allez, on va se faire le fusil laser. On va voir à l'améliorer. Attaque, taux de pénétration. Attaque, taux de drop de butin. Taux de pénétration, c'est pas si mal ça. Et deux, est-ce qu'il faut des munitions? La grande question. On va aller tester ça là, sur les petits gars qui sont là-haut. Ils sont loin, dis donc. Là. Oh, ils ont déjà bien. Par contre, ce que si ils ont construit. Ah, c'est ce pistolet-là, du coup. On va commencer à casser des trucs. Hein. Mais alors, des fois ils construisent, des fois ils construisent pas. On comprend pas trop. Est-ce que c'est ça au final? Bon, ça, alors, ça pète très vite, hein, le truc. Ah, c'est une arme de défense. Oula, oula, par contre, elle m'a fait cher, j'ai pris cher avec le truc. N'utilise pas de munitions. Ah, c'est pas mal, hein. Pas de munitions du coup, hein. C'est plutôt pas mal. Ah, ça construit encore. On va péter le truc là. Comme ça, il va répondre à arriver. Il n'y aura plus qu'à les tuer les uns après les autres. Chez les coffres, c'est le temps de construire les coffres, donc du coup, on va avoir des surprises intéressantes dedans. Voilà, plus de défense. Formidable. Aidez-moi mes cadeaux maintenant. Les munitions. Ouais, ça doit être exceptionnel. Et là. Rien d'exceptionnel non plus. Bon, bah, je suis déçu de mes cadeaux. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse la base comme ça. On va virer ça. Oh, j'en ai pas besoin. Alors on va tout casser.
Ben voilà. Ouais, moi ça, faut que je le répare. Donc, je l'améliore, mais intéressant. Enfin, que je le répare, il est déjà amélioré. Ah, ils nous ont malgré tout mis un peu cher quand même. Donc le piste, le fusil, plutôt sympa. Plutôt sympa, on n'utilise pas de munitions en plus, donc... Why not? Ça va, au niveau sous, on est bien, on dépense pas. Là, ça en fait. On peut faire une réparation aussi, là, ça améliorera la durée, la durée max. C'est quoi ça? Patchwork, un succès. Tant mieux, tant mieux. Eh ben là, ça. Sympa le look. Elle a pas mis la musique aujourd'hui. Un petit peu d'ambiance, les gars. Bon, bah maintenant, il va falloir juste recrafter de nouveaux stuff pour le copain. C'est tout. Ça va peut-être pas le mettre là. Un de ces bordels, non? Il y a tout et n'importe quoi là-dedans. À peu près tous les objets, là, comme tous les différents types d'objets qu'on a pu loot. Du stuff qu'on a crafté, mettre le fusil d'assaut, j'aime bien le fusil d'assaut quand même. On a les balles, on peut garder le fusil d'assaut aussi. Hein. Voilà, alors, différence entre les deux. Donc, 45 à 4, 45 de dégâts pour 1-1 de vitesse, 10 de dégâts pour 1-1 de vitesse d'attaque, et moins 20% de bonus de dégâts. Ça serait une scène en plus normalement. Et ça sans utiliser de munitions en plus. Méchant. Je les crafts. Alors, on a bien fermé la viande, ça sera un plaisir. Allez hop, ça sera bien comme ça. Hop, hop, hop. Hop. Bien. Bon, bah après, maintenant, ça va être une histoire de farm. Farm de ressources pour faire la tenue pour l'adepte. Et puis, bah, on sera bien, hein. Ouais, bon, on a récupéré tellement de nanocapsules, pas besoin. Non, là, il vous faut faire bonne gants, et puis, je pense, celle qui a le plus de défense pour celle-là, c'est 112. Puis on testera peut-être deux herbeurs, si j'ai des ressources à claquer. Une fois qu'on aura crafté tout ça, bon, après, je pense qu'on sera quasiment plus ou moins déjà bien au niveau ressources. Hein. À l'autre sang, il faut un alliage. Entrée d'Abrimécou, il va falloir faire ça, hein, c'est la quête là. Non, on est bien, on est bien, on est bien. Et bah écoutez, on va se laisser là pour aujourd'hui. Je formerai un petit peu les ressources, je ferai l'armure pour l'adepte. Et puis comme ça, on pourra poursuivre un petit peu.
Merci à vous d'avoir assisté au stream. Merci à ceux qui regardent un peu plus tard. Je vous souhaite un bon week-end et on se dit à bientôt pour poursuivre ces petites aventures. Bye bye.